Faut-il éviter d'approcher les chameaux au Qatar lors du mondial ? C'est en tout cas l'un des conseils que donne le gouvernement français aux supporters qui feront le déplacement. La raison, c'est la circulation de ce qu'on appelle le virus du chameau. Au niveau des symptômes, c'est assez semblable au Covid. Toux, fièvre ou encore essoufflement. En parlant de Covid, le virus du chameau est aussi un coronavirus. Il est présent chez le chameau et chez le dromadaire, bien que tous les deux soient asymptomatiques. Selon l'OMS, la transmission se fait lors de contacts rapprochés, mais aussi en consommant de la viande ou du lait de camélidé. Le virus peut aussi se transmettre d'homme à homme. 35% des gens infectés par ce virus en meurent selon l'OMS. Un chiffre à relativiser car de nombreux cas ne sont pas détectés et donc pas recensés. Par exemple, le Qatar n'a signalé que 2 morts liées à ce virus depuis le début de l'année. À ce jour, traitement et vaccin n'existent pas encore. L'OMS recommande donc de se laver les mains, d'éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche après un contact avec l'animal. En revanche, elle ne préconise aucune restriction de voyage ou de test.